Bonsoir pour tout le monde. C'est un plaisir pour nous rentrer la caille aujourd'hui, dimanche là, pour nous présenter une nouvelle émission LNTV spéciale. Et depuis le fait de ça, nous connaissons Gerdy Barthélemy lui-même qui est là pour informer et puis former de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Jeudi, nous sommes avec nous sous plateau LNTV spéciale du Club Bénissois qui est coordonnateur général et MUT qui est mouvement unifié des transporteurs d'Haïtiens. Qui là avec nous, qui pral gade, qui solution nous-mêmes nous capoter face à crise politique pays a fait face journée jeudi. Hein? Nous connaît et nouveau accord 21 décembre qui accouché au Conseil de la transition et c'est toujours avec même sentiment pour joindre un consensus pour retirer pays a dans situation liée journée jeudi. Est-ce que a bien solution vrai nous pas connaît. Donc Duclos nous là pour nous garder ensemble. Tout problème ça yo n'a confronté à qui ça gouvernement lui-même capoté de bon pour pays. Donc n'a prend première pause nous dans émission on n'a tenir après. Tournez après pause là, amis téléspectateurs, j'ai noté annoncé dans le début émission 1, nous gagnons sous plateau LNTV spécial du Club Bénissois qui est coordonnateur général MUT qui pral et garder ensemble avec nous et débattre actualité dans le pays d'Haïti. Bonsoir Duclos, c'est un plaisir de nous gagner sous plateau LNTV spécial. Bonsoir Gadi, bonsoir à tous les téléspectateurs LNTV. C'est un plaisir pour nous encore dans l'émission ça, comme on se dit, ils sont habitués. Et de l'émission. Et non, dit plaisir parce que nous ensemble, mais c'est avec tristesse quand même, chaque fois qu'on a parlé. Et nous n'avons jamais parlé de bonheur pays, de problèmes pays, même, mais c'est des problèmes seulement. Mais quand même, problème là, il existe. Solution aussi là. Mais c'est comment pour nous faire pour une bonne solution. Et monsieur, nous avons gardé là, nous avons beaucoup de soucis. Solution. Pas qu'on ait, combien de temps ça prend, mais l'essentiel, il faut que nous soyons positifs. Parce que Haïti pas capable de périr, j'en pile monde a souhaité un pays qui finit net, et particulièrement la communauté internationale, il a mis Haïti à disparaître pour rayer dans l'histoire du monde comme pays qui était indépendant, pour un pays nègre qui était indépendant. Je souhaitais que l'émission allait appeler à tout le monde. J'ai été positif là, c'est ça qui t'a priorité pour nous. Mais là, on a regardé les leaders nous gagnent de nos jours, donc qui parlent bien net pays d'Haïti. Mais c'est plutôt pour intérêt par yo. Donc je dis là nous gouvernement en place à lui même créons l'autre accord qui c'est accord 21 décembre dans l'idée pour continuer à jouer une solution à crise politique pays a et même accord 21 décembre ça lui accouché au Conseil de la transition côté que nous gagnons et madame Maniga qui à la tête les cap présidèle. Donc je dis là nous qu'a dit yo à un mois de l'installation et qui bilan d'après vous-même et au Conseil de la transition fait malgré madame Maniga lui-même d'après une interview li te bay dans le Nouveliste il a fait connait que et li mandé des matériels pour fonctionner mais malheureusement gouvernement place ça pour répondre avec et besoin yo. Donc est-ce que nous ka dit au Conseil de transition lui-même et les sous tutelle gouvernement place là bon même pas même parler de des sujets ça parce que fun les raisons c'est parce madame Maniga était toujours considérée comme vous parlez de la tête conseil était considérée comme un monde qui était chita et puis relait tout acte un pays autour de lui-même pour être capable de faire une solution à la crise mais malheureusement nous elle a perdu vocationné. Je ne vais pas dire que je dois entrer, mais c'est Jean d'entrée. Au cas de comprendre, le Conseil de transition, ce n'est pas trois membres qui ont été gagnés. Et on a rappelé ça, c'est en parenthèse, ça c'est une proposition de Montana qui était. C'était cinq membres. Là, ça a été une peine qui a négocié à Montana, songez pas à ça. Il y a eu une question Conseil de transition
et Mondana lui-même il était fait élection pour te Gemoun Balia présent et Fridjan était élu comme président et à comme Mondana qui t'attend l'autre 4 secteurs pour devoir Gemoun Balia pour te faire 5 mais malheureusement bon manque volonté bon bon côté acteur haïtien pas volonté encore il gagne un manipulateur qui a manipulé tout quel type monde qui n'a pouvoir quel type monde qui n'a et société civile parce que chaque monde qui le pense c'est tant que c'est pas étranger qui vient en solution nous pas en solution jusqu'à ce que yo essaye caté Montana et puis ils viennent font bagaille avec trois monde parce que accord 11 septembre là t'est venu normalement il est dépassé il est dépassé pas gain qu'un résultat qui baille il dit est-ce une carité comme ça entre-temps tiers mandat tiers sénat pral fini. Bon, je ne sais pas de l'équipe en vide depuis au cours créé en 21 décembre. Mais c'est même Mounio qui fait. Malheureusement, nous, ouais, pour crédibiliser, je dis bien, pour crédibiliser ça, il y aura le monde de Mme Maniga. Mais malheureusement, moi, je dis à la plainte. Ou dès que vous entrez dans l'eau qui est sale, il faut attendre, non, qu'il y ait l'eau propre, la vie sale. On ne peut pas dire que ça, bon, vous êtes bien blanche, mais qu'on y a même sale. Non, vous êtes content de vous entrer dans l'eau sale, là, la sale. Et, Pabli, à quoi ça? Comme c'est là quoi nous pour le moment. À quoi ça? Pour moi, selon ça, vous dites, il y a une durée de mandat. Durée, c'est 7 février 2024, il faut qu'il y ait un président. Justement. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Qui côté va faire l'élection ça en 2023? Il y a un ensemble d'éléments qui sont dans l'accord qui doivent. Vu le jour avant où il vient la question d'élection. D'après moi, on la donne. Constitution. Il faut qu'il y ait une constitution. Ça, et pour moi, une constitution, dès que vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas. On dit non, état de fait. État de fait là, ou pas de parlement, ou pas de aucun élu. Le gouvernement qui l'a, son tweet qui mettait, pas même un consensus national qui mettait, bon, étranger, on a choisi de mettre. Malheureusement, nous avons un paquet d'idées politiques. Et malhonnête, dire malhonnête, crétin, vagabondage même. Parce que sinon, on bataille quand ça m'a fait une fête contre Jovenel pendant 4 ans. Et puis Sauvignon, même gens, et dans le temps, avant 2004, tu as eu un fameux groupe 184 qui t'a pourné un contrat social, ils ont bataillé contre le président Aristide. Et puis, ils ont dit, ok, nous faisons bataille, monsieur Finalé, qu'on a. Le problème à résoudre. Moi, je mets le premier ministre pour nous. Et puis, je mets la tortue. Et bon, regrettez-moi, pour a qui quitté Haïti sans le bâton à évoluer. Et puis, qui est allé parce que c'est ça même. Les gens qui ont intellectuel, qui ont une capacité, qui reconnaît à travers le monde, ils allé voir qui est pour Haïti. Eh bien, moi, une constitution. Parce que pas qu'à moi, une constitution sans que pour nous faire l'élection, il faut moyenne. Oui. Comme nous, on l'a donné, on peut la donne. Depuis Ariel, il y a 2 ans, là, il y a 2 ans. Oui. Qui est-ce qui était pour faire élection? C'était Jovenel. Élection était faite en 2021 pour présenter précédemment. Mais s'il était faite en 2021 pour un autre président précédemment, le Bafel, c'est-à-dire qu'il y a Ariel a joué la sanerie tant constitutionnel là. Tant constitutionnel là, si 2021-2022 pas fait élection, qu'il y a élection pour le faire en 2023, ou bien 2 ans. Président. Pourquoi on l'a dit? Sur l'autre crise, vous pouvez le péter encore. Crise sur crise. Sur crise sur crise. Si nous ne pas chiter ensemble pour nous résoudre le problème. Là. Et l'heure vient en 2000, on dit que tu as fait l'élection en 2023. Ou pour faire sans consensus. Président qui va le péter seulement, député, il va le péter 2 ans dans le mandat lui. Bah, vous savez, si vous voyez ça. Mais c'est ça qui est arrivé sur Jovenel Moïse, qui devait être venu. Ah, qui devait être venu dessus. C'est ça, veut dire, tant que Jovenel a quitté le pouvoir, lui-même les comptait le temps qui était gagné crise. Exactement. Mais quand il a débuté pour le vrai, il lui a dit moi, il est pour 4 ans. Loi de tout, elle a dit pour 4 ans. Il va dire président pour 5 ans. C'est constitution dit, mais qu'il a dit de commencer 7 février 2021. Oui. L'homme est bien. Mais tout ça pour aider nous là, son consensus. D'abord, même moi et Jean. Pour voir ça, il y a la caille qui a un consensus. Encore, il y a une mise sur l'international. Bon, je ne peux pas entrer là. Je ne peux pas entrer là d'avant. Mais pour nous finir la question HCTA, HCTA n'a pas de pouvoir depuis dans le protocole d'accord. Il a été montré que c'est le gouvernement, c'est le premier ministre qui a une prérogative.
C'est pas SCTA. SCTA, c'est des simples conseillers qui là. On va plein pour matériel qui ça. Ça pour faire. Il y a besoin de la police à marcher derrière. Oui, oui. Ça fait oui, 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 tout le monde pour monter ses chefs. Oui. Si SCTA est un mari sérieux, vous pensez que comme tu as mis tout le monde, bro, il faut y aller. Elle met à genoux devant un premier ministre de la Jamaïque. Ou bien Sainte-Lucie, ça le présente. Oui. Sainte-Lucie, c'est 280 000 comme habitants. C'est 661 km². Oui. Mais si on a regardé ça par rapport à Haïti, Haïti est 40 fois plus grand que Sainte-Lucie. Quand on a dit devant Mounsao, Mme Maniga va mettre à genoux, elle dit font pas moins. Est-ce qu'il y a une armée? Nous avons besoin, selon sa gouvernement, demandé. Aide internationale. Il y a tellement de gens qui ont joué nous. Gouvernement des Nations Unies. Nous avons besoin d'aide internationale pour voir une force. Nations Unies même, il y a la Chine et la Russie qui ont déjà battu avec les États-Unis. OK. Maintenant, ils tournent vers là-bas. Qui prend une résolution dernièrement là qui dit oui, d'accord pour aider Haïti. Il passe par CARICOM. Quand il y a CARICOM, lui-même qui n'a pas rien, si les États-Unis et le Canada pas d'accord, si vous avez moyen d'amener, vous pas d'accord. Qui est-ce que CARICOM a fait? Rien. Et puis, nous, et entre temps, le Canada, lui, on a acheté mi figue, mi raisin. Et ça, il faut nous questionner. Et moi, j'ai du mal à voir que nos acteurs haïtiens nous comportent de cette façon-là. En cas de comportement Canada, ou bien la communauté internationale en soi, la crise Haïti a par rapport à la crise qui a passé en Ukraine. Tout d'abord, Canada dit la paix de Haïti. Il essaie de former la police pour nous. Il dit au Baïkob. Gardez ça au Baï Haïti par rapport à ça, depuis date la police là-là, et par rapport à ça au Baï l'Ukraine. Canada a déjà dépensé plus de 5 milliards de dollars en Ukraine. Canada a Ukraine et ça a les Chablende Léopard 2. OK, et on reconnaît que Chablende Canada bayo yo très performant par rapport à tout Chablende que on voit déjà. Mais un Chablende Léopard 2 c'est 6 millions de dollars. OK? Maintenant, on a dépassé près de 5 milliards en Ukraine. Quand on a ça à faire, fait macaque avec nous, fait tintin avec nous, et puis voler avion, venir voler espace. Arrivé nous, bon, comme nous n'avons pas de militaire, qui ça a cherché? Peut-être qu'il y a photographié des bagailles que nous gagnons, que nous ne connaissons pas. Et puis, entre-temps, une communication qui fait une communication de l'air, une communication dans la mer. Qu'on a envoyé bateau, qu'on a sa bateau, qu'on a fait une patrouille là, mais nous, ça veut dire drogue, ou bien est-ce que c'est la Santa Maria, la Penta et la Nena à chercher, pour chercher qu'on côté lié, pour être capable de prendre plus bien. Il a fait nous faire ma carte. Entre temps, je veux dire, il y a pays d'Haïti. État-major Canada dit, Canada n'a pas assez de militaires pour t'envoyer vivre nos missions en Haïti parce qu'il y a déjà. En Ukraine. Quelle Ukraine n'est plus important pour eux. Ça veut dire, là, il y a un blé, rempli le blé là-bas, tout le monde a goûté pour blé. Tout le monde va des blés. Nous avons des ressources sur le sol, nous. Mais c'est dirigeant nous. C'est eux qui connaissent qui ça y ouvre le pays. Pour me finir la question, HCTA n'a pas aucun pouvoir. Elle n'a pas gagné la café si le Premier ministre n'a pas décidé de cela. Donc, HCTA, d'après vous-même, n'est pas trop sérieux. Mais nous avons gardé, nous avons un pile acteur politique qui était toujours, qu'on a dit, Père Marie-Henri n'a pas de légitimité pour diriger le pays. Et nous avons un autre parti politique, tout eux-mêmes, qui vient embrasser l'accord 21 décembre. D'après eux, qui gagne plus alibi pour résoudre la crise par rapport à l'accord 11 septembre. Nan. Bon, moi-même. Donc, est-ce que d'après vous-même, accord 11 septembre, 21 décembre, est-ce que ce n'est pas un copie-coller? Parce que toute revendication qui était gagnée le 11 septembre, yo, et d'après un document, nous, c'est même. Alors, ce que il y a un pile de monde qui était toujours fait qu'on est
11 septembre n'est pas légitime, 21 décembre n'est même yovin ouais, et pour nous jouer une solution pays, il faut que nous jouions une entente, un consensus pour arriver côté nous pralia. Est-ce que d'après vous, c'est pas toujours même accord? Quand dit accord 11 septembre ou dit accord 21 décembre, c'est même acteur, c'est même monde. Que seul 21 décembre n'a gain quelque monde qui vient en plus. C'est même, c'est parce que 21 décembre, alors 11 septembre là après l'huile, il y a un parlement qui était là malgré tout à travers 10 sénateurs. Et chaque premier ministre a parlé, il fait le même discours. Non, d'accord pour nous résoudre la crise parce qu'il va faire l'élection. Depuis le début, il a monté cette élection, il va le faire. Je vous dis encore, c'est le même discours. Mais en termes de légitimité, il m'a dit, bon, Ariel n'est pas légitime. Tout le monde connaît Ariel n'est pas légitime. Elle n'est pas légale, il n'est pas légitime, il n'est pas populaire dans rien. Et il a accepté. Blanc fait un tweet, il dit Ariel dégage au fait gouvernement. Mais il joue quand même des acteurs politiques qui tiennent l'opposition entre guillemets. Qui a le joint? Moi, je ne vais pas parler sur la question est-ce que légitime ou pas. Mais de fait, Ariel, c'est lui-même qui a rien de pouvoir. Ariel dit congé, tout le monde est là. Il dit l'école, tout le monde est à l'école. Voilà. Ça veut dire, ou d'accord, dans certaines mesures, que les gens ont autorité sur eux. Ils convoquent la police va venir. Même si ils convoquent, bon, si l'autre acteur a convoqué la police, il va venir. Je veux dire, c'est lui qui a le pouvoir. Dans ce sens, moi-même, ce n'est pas ça qui est fondamental. Est-ce qu'Ariel a une légitimité ou pas? Mais défaite est là. Mais si défaite est là, il faut nous chiter ensemble avec lui. Chiter ensemble avec lui pour nous voir comment on a résolu le problème véritablement en haïtien. Même Mounguido n'a pas cherché une solution haïtienne à la crise. Et puis, on a regardé quand même, comme si des visiers blancs convoqués nous venaient d'aller. Moi, j'en ai marre de voir ça. Ariel, c'est haïtien. Ariel n'est pas légitime, il n'est pas légal, il n'est pas rien. Mais les gens pouvaient amener chita avec Ariel pour nous. Est-ce que Ariel lui-même veut chita? Est-ce que Ariel voulait quitter le pouvoir lui-même? Ça, c'est autre chose. Maintenant, pour Ariel quitter le pouvoir, il faut qu'il y ait une pression faite sur lui pour véritablement blanc devant faire accompli. Parce que ouais, moment ça, c'est le moment même pour mobilisation faite contre. Pouvoir pour faire, pas pour voir Ariel aller, non? Mais pour faire Ariel faire back son ensemble de décisions et mettre Chita pour nous résoudre le problème. Les États-Unis vont dans l'élection, ils ont plus s'occupé des questions de l'élection de la CAIO. Ouais, tout ça qu'a fait là, c'est pour être capable de travailler sur les questions de l'élection de la CAIO. Je sens tout le monde qui sont députés de la CAIO et de gagner l'élection pour le faire pour la CAIO. Tout qu'on a pour le montrer à Haïtiens que là-bas, que la font bagarre, fait démagogie en Haïti, eh bien, c'est le moment pour nous continuer à faire pression. Sous l'ambassade du Canada qui ici cap sanctionner mon enlevé puis pas grand sérieux dans que sanction et a dit mon pas nous parler avec gang tandis que il n'a pas la gang parce que lui-même il dit clair il était négocié il était de pouvoir négocier avec barbecue pour débloquer gaz puis je dis à qui doit boire dit haïtien mais il n'a pas la avec pour qui gaz non c'est nous ba aux amis c'est nous connaît comment on a parlé ensemble avec eux si ça haïtien oui moi même penser que moment les important. Je dis à pour haïtiens, les acteurs politiques, bon, c'est vrai ou pas bon, mais clair ou pas bon. Si vous avez des sous des graines, on dit 1 à 2% là, de vous faire confiance, parce qu'il n'y a pas toute intégralité, on va dire tout ça. Mais c'est rien comme acteur politique. Eh bien, c'est pour nous chita ensemble. Il faut faire pression sur Ariel pour Ariel décider chita. Mais le gros problème, c'est que Ariel sent il confortable parce que Blanc dit, mon cher, ça me l'a fait pour faire. Passer au moins au plus informé passer. T'es quoi négociation qu'a fait dans ce ben là? T'es quoi début négociation? Il a quoi ça? Il était quoi là? T'es presque que nous dit on dit on lui a des espoirs des solutions. Okay. Et puis Ariel, il était quoi? Il va d'accord. Pendant que il était quoi là et pour un c'est dans moment ça États-Unis voyez Baron Nicholson là Vinchita avec accepté. Vinchita avec la police. Mais c'est démagogie, ça, vous faites ce plan-là. Non, il y a trois émissaires qui viennent. Ça veut dire que c'est toujours venu dans un contenu et puis pas gagné vraiment sérieux. Et nous changer même, ouais, ça te fait connaître. C'est nous-mêmes, Haïtiens, qui pouvons jouer une solution au problème. Parce que nous-mêmes, pas qu'à venir résoudre le problème pour nous. Ouais, ça le dit là. Mais le président français a dit ça avec en face président congolais. J'avais essayé d'attaquer la France, je dis, mais c'est nous-mêmes qui nous avons un problème. Oui. C'est nous pour résoudre le problème. Nous. Mais effectivement, c'est nous pour résoudre le problème. Le problème, nous, c'est pour nous. Pour qui ça, depuis ces étrangers qui ont demandé des convocations, tout
acteurs politiques décident pour agir. Mais c'est toujours un seul parti, un seul camp dans acteurs politiques. Là, nous avons plusieurs autres qui, je dis, qui en face Ariel Henry, qui fait qu'on est, c'est souvent un parti qui pour gouvernement, il est toujours élu pour aller chita parler. Donc l'autre camp, il n'a pas jamais entendu. Donc si c'est un seul son de cloche qui attendait, est-ce que vraiment là, on a parlé de solution de crise politique? Je ne sais pas quoi c'est vrai. Moi-même, je me dis, je ne sais pas quoi c'est vrai. Peut-être, acteur politique, il a dit, Jean de Chita, il a demandé là, il a vu une fête, mais il a accepté. Il a deux fêtes. Il n'a pas d'accord ça. Pour moi, pour convocation, ça, c'est pas blanc pour faire. C'est pas ni Canada, ni la France, ni la France, ni États-Unis, ni quoi comme pour faire. C'est Ariel qui pour faire. Faut Ariel suspect. J'ai l'impression que mettre en pression sur Ariel. Étranger mettre en pression sur Ariel. Depuis quoi Ariel va pouvoir pour y bagarrer sur tête Ariel, Ariel criminel, Ariel participer dans la mort Jovenel. C'est pour y bagarrer sur tête. Depuis mettre ça sous tête comme dirigeant et qu'on a, il met sous tête tout et bon pouvoir. Tout ça il doit faire, c'est doit faire. Je dois à gauche, je dois à droite. Moi, je ne vais pas dire Ariel pas criminel, parce que je ne marche pas avec Ariel. Mais je ne vais pas arrêter pour tout, Ariel criminel. Maintenant, le fait que l'étranger a été en question criminelle, sous Dolly, et puis, on dit, fait 20 partisans, je ne vais pas attaquer Ariel. Ariel vient de dire, fébrile, il vient de dire, peur, qu'on a toute force, c'est accepter tout ça à Blandil. Ou bien, n'importe qui, quand il vient d'Ariel, c'est un temps de devant parce que lui sentit les vulnérables par rapport à pression. C'est-à-dire, Ariel il a oublié que la Bible dit les plus hauts bus vivent 80 ans. C'est les plus hauts bus vivent 80 ans, au moins 75 ans. On a arrêté 5 ans pour passer. Bien, 5 ans ça aurait été pour passer avec du pays à lui. Non, mais c'est sûr que pas y a monde qui t'a ramené pour la faire restant en prison. Puisque Ariel il a souhaité des commis et Damoclès, eh bien, blanc dit la gauche à gauche, à droite à droite. Mais quand il y a des acteurs haïtiens autour, ils ont même tout, ils n'ont pas voyé Ariel là, j'étais. Au lieu de quitter ces blancs pour Ariel, mais quand même, ils ont ramassé Ariel là, plutôt. Bah, Ariel garantit que nous ne pouvons pas avoir la merde de la vivre, s'il quitte le pouvoir, ou bien elle quitte le pouvoir. Et puis, laissez-moi passer toute bagarre qui va plus ou moins mieux. Si Pierre Ariel, tu veux pour quitter le pouvoir, d'ailleurs, nous, à Comontana, à côté de Guetan, choisi premier ministre et président. Donc, pour te joindre, on entend avec PM, non, si c'est lui-même, il n'y a pas de problème pour toujours quitter la place pour le ministre, mais au moins, il faut que nous d'accord avec le gouvernement bicéphale là. Bon, moi, c'est Ariel, pas besoin de ça. Ariel dit le président, le premier ministre, il n'y a pas besoin de monde, il n'y a tête comme président, il n'y a pas de premier ministre. Pas qu'à le conseil. Et ça qui doit, ça qui est là, j'ai l'impression même lorsque tu as Ariel, le président, dans le cadre de l'accord, et puis libérer post-premier ministre, je ne suis pas d'accord. Il faut tout te laisser arrêter, parce qu'un premier ministre a un pouvoir quand même. Même si le président a exercé le pouvoir présidentiel, mais le premier ministre il a un prérogatif tout. Je ne suis pas d'accord ça. Mais pas d'accord là, est-ce que ça, Ariel, ils sont pas d'accord avec un paquet d'affaires qui sont pour Ariel Gounier là. Qui dit, soit arrivé là, nous-mêmes, moi, ça, Calvin là, comment. Et comment Fijon va sentir là, comment SDP va sentir là, comment tout ce monde qui accompagne Ariel. Mais je peux dire, le pays n'est pas pour le seul. Le pays est pour moi, pour vous. Il est pour le paquet. Moi, si on a parlé de ce secteur, là, on a parlé de politique, on ne peut pas parler de ce qui passe dans le secteur transport. Nous allons venir sur ça. Mais nous allons venir sur ça. Après pause d'as amis téléspectateurs, merci parce que toujours été branché et nous gagnons ce plateau à LNTV spécial du club bénissois qui a regardé ensemble avec nos problèmes pays d'Haïti à confronté. Je dis, est-ce que vraiment gagnons solution? J'en ai regardé et gouvernement lui-même comporté et surtout acteurs politiques nous qu'a dit qui était dans opposition qui vit ni medi allié gouvernement. Il y a pile revendication et qui était à demander surtout beaucoup de peuple là.
et bien je dis ça, je dis à la même, c'est peuple là qui inconfortable bon côté avec moun sa yo qui pas danser collé avec population et fait même revendication ça yo passé. Donc du club ben histoire nous t'a continuer sur cause politique là avant oui. Nous aller dans sac pour moi. Exactement, c'est tout pour moi. Parce que dans pays ça n'a vivre là tout pour n'a vivre. Oui. Et comme ban dans pouvoir que moi-même dans social. Mm-hmm. Mais nous tout en dedans, il y a un seul et beau qui est mm-hmm. Haïti. Justement. Et on dit moi-même pour moi opter pour gagner une solution véritablement ça ici qu'a fait. On se parle de Montana, effectivement Montana a présenté un projet. Mm-hmm. L'international dit c'est plus bon oui. Accord ou bien proposition d'accord qui gagne mais pour ça arranger la donne. Mm-hmm. Pourquoi ça veut dire marcher là-dedans et entrer dans l'autre bas et tête en bas? Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un extérieur pour Haïti. Et nous te dit que le premier ministre Ariel, quand il est un facto, de facto, quatre facto, quand il est un facto, il y a, mais il a. Mais il même tout, il faut une responsabilité. Mm-hmm. Par contre, tu, n'importe chien qui mouille à l'étranger ou dit, ou voit un tweet là pour dire, ou faire condoléances avec chien. Hein? Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en Haïti, on a mouru par paquet, par bande, on a quitté le pays. Ben là tellement on pas veut accuser trop international là parce que si yo de sou pas vendre dans caillou dehors pas capable acheter mais international là il pèse très lourd sur malheur pays d'Haïti ça fait moun ka vive dans diaspora il veut dire à quel Canada yo gen pression pa yo ka fè sou Justin Trudeau parce que monsieur prend l'élection parce que faut le passer comme député pour être comme premier ministre mon gros système là comme ça lié. Même ma ministre affaires étrangères là tout c'est même bagaille. Mm-hmm. Et tout désordre en Haïti là, c'est parce que on connaît vote haïtien au Canada, li véritablement important pour eux. M'pa connaît comment Alain TV li touché le Canada, mais États-Unis particulièrement côté et la passé, mm-hmm. mais en pile haïtien qui vit en Floride, qui a parlé avec et diaspora canadien pour dire attention mais dans danger nous. Mais ça nous, ça qui vit États-Unis tout. Mais président Biden entre nous non bagarre là non dynamique là même pas aucun problème dans misère mon yo là pour mon parti mais c'est comme si yo di yo pas veulent boat people j'aime yo dire là et puis yo veulent airplane people yo pas veulent mon yo parti dans bateau sur la mer et pour dire on fait au parti en l'autre gens dans avion mais pourquoi ça est comme ça au faire. Ils viennent avec ça pour capable casser la mobilisation qu'a faite contre la guerre. Et pour le premier aspect, il y a un aspect social qui vient là-dedans, économique qui vient là-dedans, qui permet qu'il y ait un paquet de monde qui n'est pas capable de faire mieux, faire rentrer plus facile. Mm-hmm. Bah là, tellement vrai. Pourquoi ça y a un paquet de monde qui légalement appliqué pour résidence, malgré toute affaire de ça, OK? Et puis, il y a un gars qui va remettre un vrai pour qu'il parte. Ça a son coup politique qui est lié. Bon, peut-être tout le monde cherche un coup politique par ailleurs. Comment est-ce que ça peut être utile? Je ne sais pas. Mais l'essentiel, quand on voit, et qu'on a. Ça, c'est. Il y a un aspect politique, il y a un aspect économique, tout. Le fait que Haïti ait un problème, ça, les gens ne pas rentrer dans l'avion. Et compagnie aérienne ne peut pas faire l'argent. Mais avec flot, les gens ne peuvent pas partir là, permettre que les compagnies aérienne aient fait comme. Ça, on voit sous deux aspects, ça. Je ne veux pas intervenir trop sur la question pour ne pas mes interprétations. Mm-hmm. Mais il faut nous résoudre deux angles. Ce n'est pas bien fait. Personne n'a fait affaire pas à régler. D'un côté, politiquement, Biden a cherché à garder cela assuré pour que les gens ne parlent pas de problème sur la frontière et pour les républicains ne parlent pas d'attaque. Mais deuxièmement, il y a une compagnie qui a fait comme ça, mais avec le programme, ça permet que les gens rentrent dans la question. Bon, qu'on a dit socialement, comme on l'a dit, non? Mais qu'on paquet de monde, véritablement, qui a passé bien dans le pays, pas qu'à travailler. Regardez, la majorité de monde qui a parti là, la majorité, c'est médecins, c'est ingénieurs. Ah oui. Ah, il faut regarder ça tout. Il y a pour 4 professionnels qui ont fait au parti. Et le Canada pas ouvrir le même genre. Et puis, entre temps, il y a un style là, et puis, le pays, c'est seulement monde qui manquait, qu'on lit, qui a l'éducation professionnelle, c'est monde qui pourrait être, est-ce que le pays a fonctionné, vivre avec eux. Il est temps, encore, il est encore tôt pour que les Haïtiens comprennent le problème haïtien. C'est nous pour résoudre, ce n'est pas qu'un étranger, pas qu'un blanc. Encore plus le Canada.
au cas comprendre Canada dit l'a sanctionné monde pas vrai sanctionné monde qui dans corruption bon l'a sanctionné monde qui pas même gain bien la caille tu as peut-être ancien et président de transition privé qui fait qu'on est le à peu près 25 ans depuis pas chambre au Canada donc a fait intérêt a fait bien ça va ça va pas mais où est son problème politique qu'a réglé là Canada veut être besoin de président parle peut-être privé candidat à la présidence, privé son potentiel lié, puis la regardé cela, saper privé au départ, pour voir s'il a fait un candidat, c'est ça, il n'y a pas de bagaille. Alors, comme si nous menons intelligemment, on a fait politique, puis 30 ans, on n'a pas compris ça? Non. Canada, il faut que suspende la démagogie à faire, et il faut qu'il surtout commencer à le camper, commencer à faire sitting devant l'ambassade Canada pour nous dire, l'ambassade Canada, comment ça s'est passé? Monsieur, vous voyez blindé, qui comme nous, c'est comme moi, c'est comme taxe dont l'État haïtien réuni, pour vous acheter matériel pour la police qui est au bail. Si le Canada est capable de dépenser 5 millions de dollars pour yon chablène de pour vous barricade, tandis que, on se regagne, nous lancer 12 millions pour vous voyer, vous n'avez pas besoin de vous 3 seulement, et puis la police a senti le confortable. Vous avez un hélicoptère là-dedans tout. Vous avez des bail, et puis les finis, vous avez des Haïti, donc vous avez des noms. Vous n'avez pas besoin d'aide ça. Mais ça, nous trouvons qu'il y a un petit genre bizarre. C'est parce que c'est vrai, l'international là a pris des sanctions contre des acteurs politiques dans le pays. Mais nous ne pouvons pas reculer les possibilités à tout gain. Pile corruption dans le pays d'Haïti. Il y a un pile corruption. Tout. Mais quand il y a chaque monde, il y a sanctionné, il dit pas rien. Donc, est-ce que. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de problème. Le problème, je ne pas dit que les gens pas dans rien. Conseil de monde qui est comme dans le pays, il y a sanctionné. Qui est sanctionné le peuple là, oui. Ah ouais. Parce que c'est eux qui ont rien là-dedans. Et il a fait comme le pays a longtemps, il n'a pas fait rien. Mais il y a des gens qui ont fait, le peuple a dit, eh, c'est un groupe politique. Comment on comprend? Bon, comme vous parlez de gestion privé, gestion privé, c'est seul monde dans le pays qui prend une transition pendant un an, qui a fait l'élection. Un, deux, blanc dit, le pape a fait des affaires, nous avons fait une affaire dans la caisse. Le pays a fait une affaire. Trois, il met un directeur policier de GDO qui a combattu. Gang qu'on a dit lié connivence avec gang définitivement et les n'a cherché qu'on est nous ouais le Canada gon candidat l'a soutenu sur terrain et c'est okay. Terrain la gaille paille pour capable garder si mon ça gaille mais ça Canada qui intérêt communauté internationale l'a gagné et sur Haïti intérêt intérêt c'est pas tout ça nous gagne parce que souvent nous toujours bon surtout acteurs politiques qui fait qu'on est et communauté internationale, c'est nous-mêmes qui mettons nous dans sa nuit là. Mais est-ce qu'on pensait si nous-mêmes ne pas ouvrir la porte à nous? Est-ce que la communauté internationale a jamais vu ni lui-même pour imposer nous n'importe quoi? Comment vous ouvrez ce sujet? En gardant bien. Qui ça jamais été fait pour quitter le pays? Qui, comme jamais été gagné comme budget? 16 milliards de gourdes. Qu'on a prend réalisation jamais travaillé comme président pendant 3 ans. Qu'on a algardé pouvoir y était voulu venir mettre à pouvoir la torture qui ça a été réalisé pendant la transition. Qu'on a l'algardé préval gardé réalisation préval et puis qu'on a gardé réalisation qui vient fait après préval laisse on parle ouais me tourner sur madame Aniga. Monsieur, quand je me suis avalé, je me suis rencontré avec Matéli, parce que je ne suis pas contre Matéli, je ne suis pas contre avec lui, je ne suis pas contre avec Mounsayo. Parce que je suis hostile à Mounsayo, même si je n'ai pas senti confortable à ce type de comportement que Mounsayo a eu pour diriger le pays. Oui. Ok. Madame Aniga, dans l'élection, Madame Aniga part dans la deuxième position, on candidate en cinquième position, il fait le passer dans la deuxième position. OK? Parce que vous dites, vous ne pouvez pas la donner. Président pays a dit résultat, l'elle dit, c'est pas ça, elle dit, c'est après nous laisser. Président KEP qui était là à l'époque, a dit résultat qui sorti, c'est pas résultat ça, lui-même, il était connu. Mais ça veut dire qu'il faut faire. Quand il y a ça, il faut faire. Malheureusement, les dirigeants, ils toujours cherchent un gens pour qu'ils gagnent des gens dans le cas étranger. Quand il y a un cours de dirigeants, ça t'a voulu
font petit gens pour ranger colle puis aller et grand droit pour lui mais au pas de café vous jamais réussir peut dire quoi pas café pour lui mettez le dehors et qui est sur utiliser que pour mettre le dehors monde qui dans société civile là qui dégage l'argent dans meilleur les appels les groupes 84 c'est au point et puis au fin chavirer je mettre réussir et puis qu'on a c'est passé blanc reconnaît même blanc ça dit non blanc ça vient dit non, mais blanc encore dit comme ça, jamais d'ici son bon monde. Mm-hmm. D'accepter son monde, mais faut le retirer sous pouvoir pour dire le bon monde après. Mm-hmm. Là, il dit le bon monde, qu'on a fait dire dit ici on ouais, nous retirons bon monde. Fait nous retirons bon monde. Mm-hmm. Et ça qui passé. Jamais d'ici dans pays c'est seul président qui était pays d'Haïti tourne là-dedans depuis qu'a fait université, qu'a fait l'hôpital, qu'a fait ceci là-dedans. Mais mm-hmm. ça veut dire que blanc participe dans malheur nous, mais effectivement, les joignent apport haïtien à monde qui soit disant dit même si un petit témoignage je connais et a fait cause des âmes non c'est sur c'est bon, ça c'est ça son faux problème c'est mais au pas dire cause des âmes maintenant n'a pas fait ça madame Kevin pas fait ça écoutez jamais d'ici quitter pays en 2004 ouais même côté à Nations Unies entré il fait 15 ans là et ici qui tu bas âmes là. Alors, c'est Zama ici de Tebaï qui fait 15 ans. Le Grenamouda, rate pas caca. Ah, non, tu n'as pas caca parce que tu as créé le Grenamouda. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même. Mm-hmm. Et puis le peuple a dit nous-mêmes, nous ne sommes pas caca. Mm-hmm. Et puis quand il y a des rate pas caca, ça, c'est lui-même qui n'a pas payé depuis 15 ans. La société fait avec. La société a l'écouté Zama dans le pays. Il a ouvert quoi, il a quitté Zama, quitté machine, sans soldat la donne avec plus Zama derrière, puis le peuple a ramassé. Mais Zama, ça a eu la ruine là. Mais Nations Unies ont dit États-Unis bah oui. Ah là c'est pas être pas gaga hein. Mais Nations Unies dit c'est États-Unis qui bah oui. Ça veut dire ça. États-Unis tout connaît le chute et tout. Mais non. Ça a passé la guerre. États-Unis est consolidé, son pays est comme ça. Tout côté Zambie vend, il connaît que si ils vendent Zambie, on qu'est-ce qu'acheter yo. Ah si on qu'est-ce qu'acheter yo, carité tout monde qui achète Zambie. Si on connaît qu'est-ce qu'ils vendent Zambie, tout magasin qui vend Zambie, il y a qu'à aller pour dire est-ce que Zambie ça va être de façon légale? S'il pas vendre légal pour permettre que monde ça yo yo répondre la justice. Pour ça pas en fait. C'est parce que yo est nous tellement divisé entre nous. Au parler ouais. Alors l'aime dit ça, l'aime de ça, c'est pour parler pour faire comparaison hein. Et puis il dit bon, on juste contradiction ça. Ah, yon pas vle ou l'autre. Et c'est ça où j'ai dit avec capable appliquer là hein. Fond météo entre déchiré entre yo. Si c'est pas ça nous fait nous pas qu'à diriger moun ça yo. Ah oui. Et yo mettez nous vrai, je veux dire. Yo dit moi même avec tu l'as pris pas qu'à parler parce que tu l'as pas qu'à taper, qu'il n'avait petite moins, qu'il avait famille, qu'il avait besoin même. Moi même qui zo qui c'est haïtien pas qu'à parler avec entre temps les soirées les zo nous allons passer là oui parce que nous allons au et puis faire soldat ressorti et puis je dis tout soldat fait bac et puis corps diplomatique passer la locale sans problème moi même pas qu'à passer ça va là et il fait le pour barbecue il fait le pour vivre la mort sans jour il fait le pour vider l'homme il mettait au million dollars de vider l'homme pour reprendre bah oui comment faire pour un ben Laden pas qu'à vider l'homme c'est passé ça veut dire qu'on y est là faut que monsieur ça y a qui gagne ça non mais moi me considère comme branche bois. Ou bien la police gonsel mission. Bat chaque jour la police, limite on comment tornade. Tornade. Opération tornade, qu'on y a pour attaque. La police gonsel bagage, c'est pas sécuriser la ville. Mais c'est al courir des bandits. Et yo connaît la police pas gen moyen vrai pour capable combattre monsieur yo. Dans cas ça, moi même penser gon bagage pour faire. Moi même pense dans son message. Bon, est-ce que monsieur attend de à l'individu, pas connaît. Yo gen chance. Ou elles sont internet, moi connais. Faut connaître, c'est haïtien, oui, malgré tout. C'est un pays, en fait. Parce que là, pour une jeune fille, ou pour un jeune garçon, ou pour un grand monde, ou pour un médecin, ou pour un avocat, ou pour un syndicaliste, ou pour un chauffeur, ou qui séquestre, ou a demandé le 10 millions qu'il paye. Et ce n'est pas eux qui vont aux âmes, non. Hey! Non. Ah oui. Faut comprendre, faut commencer à comprendre. Et moi, je vais être fort. Je vais être fort. Je dis, monsieur, je ne vais pas que le peuple arrive devant vous. Le peuple a un problème à ça, il a passé. Desalines n'est pas de bon monde, Desalines c'est un bandit. Et moi je dis, comment c'est, oui Desalines est un bandit. Parce que Desalines est un bandit, mais c'est un bandit qui tape gourmet pour permettre que les gens libres. Je dis à ce bandit, Haïti n'a un carrefour.
Il faut servir pour capable libérer Haïti à griffe internationale. Mm-hmm. Si vous comprenez ça. On a toujours été dans le dossier insécurité là et c'est mon nous sommes cité là nous c'est eux même qui dirigent pays d'Haïti, c'est eux qui dirigent dans moment là, parce que si on dit à fond bagage je dis là yo fait, alors que gouvernement place là grand pile et mon la population qui pas fait confiance kounia en garder dans insécurité à qui la cause transport en commun lui-même n'est pas réalisé. Donc on va regarder dans presque pour aller dans grand pays à canard pour passer faut un petit 4 pour passer ça fait pour Matisse tout. Donc est-ce que kounia nous a dit en tant que on responsable dans mouvement unifié des transporteurs haïtiens, est-ce que nous-mêmes nous prend et donné et ça qu'a passé dans mouvement qui feedback nous joigne par rapport avec et moun nous ka di yo même qui victime dans situation ça. Gazi secteur transport c'est un secteur qui presque fini. Mais avant d'entrer dans ça pour me clôturer et parti politique hypocrisie internationale là à ça moi États-Unis presque dépensé 100 milliards de dollars en Ukraine en un an là. 100 milliards il y a pas dans encore groupe comment dépense Haïti sur deux Canada près 5 milliards l'Allemagne pour mettre ça que nous entendez près de 14 chars et Léopard 2. Chaque Léopard 2 vend entre 5 et 6 millions. Ça fait à peu près 44 millions. La France pour mettre l'éclair. L'éclair après à peu près 7 millions. Américain va pour mettre Abrams à peu près 8 millions. Ça veut dire, la communauté internationale là a dépensé à peu près déjà en Ukraine pendant un an 108 milliards d'euros. Haïti, il y a un désastre qui est passé là-dedans. Il a promis à Haïti 600 millions de dollars américains. Vous avez déjà vous avez remis Haïti. Et puis Haïti a refusé de mettre ensemble pour au moins les leaders politiques. Effacez-nous, ouais pays. Ariel, effacez-vous, ouais pays. Chita autour d'Ariel, je veux une solution. Même ça, m'a posé. Maintenant, on entre dans la question du transport. Haïti n'a pas une route pour nous payer tol. Parce qu'on paye l'étoile, là, ça va l'étoile, là, son droit de péage lié, on passe son route express, ou bien c'est plus rapide, il faut payer sous lit, et puis, pour aller plus rapide. Je ne veux dire, nous avons deux côtés, donc à dire, nous avons dit, la moisson je veux affaire et fouille sur quoi de bouquet, et mais qu'on y a, nous avons deux côtés à payer l'étoile. Mais il y a un même qui est sophistiqué, sur canard. Bon. Matissan, bon, monsieur, qui est passé, qu'on y est là, chauffeur, yo, accepté, mais il faut me dire, il y a une information qui a circulé du syndicat, yo, en accord avec monsieur Guigenzam, non, pas qu'il soit syndicat. Chauffeur, il y a dans la rue, il n'y a pas une bonne balle manger, il n'y a pas une bonne petite manger. L'inorganisation, juste, on avait essayé, et quoi faire l'organisation pour qu'on soit capable de gagner un bon comportement, comment vous et traiter vie ou bien. Mais, pour le passé, Matissan, il dit, mon cher, comment ça va passer? Il faut qu'on paye. Ça, pour le faire. Il est obligé de payer. On a l'air de dire le payer. Qui est-ce qui a payé? La population qui est mal là, qui a payé parce que le chauffeur, la machine n'a pas pour lui, c'est lui, il faut le payer, il n'y a pas un cop. On a le taxe au plus. Mais c'est pire. Et il y a trois côtés au moins pour le payer. Il a payé Matissan, il a payé Fontamara, il a payé Marianne et tout. Quand il y a les moyens, ils finissent pas le temps de graisser, il faut payer tout. Quand il y a combien de tolls un chauffeur a payé pour sortir la ville, pour arriver au CAI, nous pouvons comprendre. Il y a une situation qui est noyée. Mais plus ou moins, ils ont dit, ils ont pas fait payer trois copes. Alors, pas trois copes là. Si vous payez 500 dollars, Matisse, on paye 500 dollars, Fontamara, ça fait 1000 dollars. Où est-ce qu'il y a l'argent? Si l'État a fait un bâtiment, il n'y a pas que l'argent, l'État a ramassé pour faire autre. Canara, ils ont dit, bon, là, il faut sophistiquer. Il faut un cadre digital. Oui. Bon, cadre digital, je ne sais pas qui côté le chauffeur va le faire. Nous ne pouvons pas poser la question qui côté va le faire. Mais, ou bien, quand on a une bonne semaine, ou bien, on a une semaine, on va se payer. Si on passe, sinon, là, on va payer. Monsieur, on va pas tourner encore pour ça. Et ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, pour un chauffeur, pas d'accord faire ça. Si on prend la CAE, ou sur le temps centre-ville, on va la CAE. On va le passer. Il faut monter la plateau centrale,
pour aller passer parmi les balais, pour descendre. Oui, après ça, pour c'est Raphaël. Après ça, pour retourner. Oui. Back pour venir à la caille. C'est pas possible. Pour vivre comme ça, c'est-à-dire qu'on a une autorité, ou qu'on a la police. Mm-hmm. Et nous même ça nous a gagné pour nous café, je dis. Et nous a préparé, c'est son premier nom, Alain TV. Nous a préparé dossier nous, nous a porté plainte contre l'État haïtien. C'est ça nous qu'a fait. Nous fait grève, vous attendez. Nous fait sitting, vous attendez. Manifestation, vous attendez. Vous faites ça, vous voulez. Non, mais ça, ça nous était là. Et nous, non, c'est qu'il y a des cabinets d'avocats qui voulaient aider nous dans ça, pour nous montrer un bon dossier, pour nous porter plainte contre l'État haïtien. Parce que au moins, nous avons perdu la machine. Machine, vous voulez. Ça, vous voulez. Nous n'avons pas capable encore. Chauffeur, pas capable encore. Et nous lançons un appel encore une fois à des cabinets d'avocats qui sont aidés nous. Mm-hmm. Et son premier nous à l'NTV, ça, nous travaillons sur le dossier ça parce que nous, définitivement, payons les taxes. L'État parle de nos services. C'est ça que je dis à l'État a tellement senti l'aller. Mm-hmm. Et puis ça qui passe. Vous voyez, tout le monde va être en sécurité. Mm-hmm. Oh, c'est grave, oui. Mais c'est ministre, c'est ça encore. Ah, c'est grave, oui. Dit, va être en sécurité la caillou. Sauf ça m'a demandé, moi-même, tout citoyen, est-ce qu'il y a pour vous un bureau pour tout citoyen qui voulait légaliser un M4 pour avoir le papier pour légaliser un M4 ou mettre la calle. Mais si vous dites que vous avez une sécurité, il faut avec mon chef seulement. Parce que vous dites que vous avez des armes de guerre. Et qu'il y a pour vous protéger de là, ces armes de guerre pour guerre. Eh bien, nous demandons pour ouvrir un bureau côté pour citoyens qui sont capables de posséder un M14, un M4, et moins pour capable à légaliser pour le protéger de là. Parce que c'est trop à tomber. Si vous ne sentez pas capable, monsieur dit, non, nous ne sommes pas capables. Si nous n'avons pas caché nos consensus, pour tirer le corps, dit bon, nous sentons nous dépassés par les événements, bien qu'on a une autre équipe venue qui a un résultat. Mais l'autre équipe là, il n'y a pas une équipe singulière. Il faut vraiment son consensus national qui vous joigne entre les acteurs, société civile, les partis politiques, le pouvoir. Et nous finissons d'entendre avec nous, et puis nous commençons à appliquer. Et puis si international l'a voulu, la beauté. Ça, c'est pour question gaz. Pour question en route là, et gaz là même. Où est-ce qu'il y a ta chauffeur dans la rue? Où est-ce qu'il y a gaz? Ça dit que c'est un gaz qui a 20 bons pompiers. Il y a une autorité. Il y a un secrétaire d'État, sécurité publique. Pas de gaz dans la pompe, il y a gaz dans la rue. Ah, il faut qu'il y ait interpellé définitivement. Il y a une vaste mobilisation qui a été faite dans le pays. Parce que nous ne pouvons pas continuer pour nous battre, nous battre chaque jour. C'est ça que nous avons fait. Nous avons fait ça, nous n'avons pas fait. Mais collaboration tout le monde. Nous passons à l'individu, de par reportage, de par sensibilisation. Ah oui. Parce que, hey, où peut-on prendre la rue? Depuis qu'il est dans la plage, depuis qu'il est dans le programme, on ne connaît pas. Mais on n'est pas capable. Ah oui. Ou sont frustrés, ou étaient là, ou concentrés. Nous concentré. Nous pas décidé de continuer à concentrer, mais nous disons, M. Gazabio, hey, regarde la population, regarde les codes sortis, les gens qui sont là. Cool film, mettez hégémonie, mais en campé, la détour. Mais ah avant le détour, et des populations à sortir dans sa vie là. D'accord, donc c'était un plaisir du clos, nous prenons l'air net. C'est un plaisir pour nous te gagner sur le plateau à LNTV spécial, donc pour nous te garder ensemble. Et qui solution qui capote pour le pays? Vraiment, c'est vraie solution là, mais nous pas gain dirigeant, nous pas gain leader vraiment qui pour porter ça et population. Merci à tout le monde qui t'a suivi mission à LNTV spécial. Merci à Wilger Gentil, Sandini Eveilleur, Efren Lynn, Pierre, Kevin Loreston, Alex Jean. En gros, tout staff à LNTV a nous dit merci. Jolene Joassin et qui c'est et mannequin émission 1. Et donc, nous bail rendez-vous pour une autre émission qui pi mouvementée. Bye bye, à la prochaine.